chez Homemade. Ouais, Homemade, où en fait, bah, ça parle français. Donc c'est bien. Et en plus, on a une superstar. Ouais, trop bien. Ah, peut-être vous avez vu ces vidéos. Je pense que oui. Alors, en fait, chez Homemade, ils nous ont présenté, en fait, il y a la nouvelle, la Racer. La Racer. Ouais, la Racer, ouais, celle-là. Qui est juste trop belle, hein, en fait, hein, simplement. Un peu Casio anti-choc et tout. Voilà, avec un écran LCD sur lequel on va retrouver toutes les informations. Donc c'est pas du Android Wear. Non, mais ça marche. C'est du Java, voilà. C'est du Java OS, compatible Android et iOS. Voilà. Ok, là on est bien. Ensuite, le modèle girly. Qui fonctionne en plus. Voilà. Je pensais qu'elle était en plastique au début, je me suis dit, il n'y avait rien dedans. Voilà, donc pareil, hein, soit les menus qu'on retrouve un petit peu comme du Java OS, avec des menus relativement simples, des grosses icônes, qui sont surtout importants. Voilà, une montre dédiée aux femmes. Donc je vais voir un petit peu l'affiche. C'est la Homemade Lutetia. En gold et en rose gold. Et en plus, on a des top modèles pour. Voilà, donc voilà, très joli. Hein. Ah, sympa. Ouais, bien. Et donc la Homemade X qu'on a lancée. Alors la Homemade X qui est là-bas au fond, ici, voilà. Qui est lancée au mois de septembre. Ok. Voilà. Et. Voilà, alarme. Gestion de la musique. Pas mal. Notification, appel, normal, ouais, smartwatch, voilà. Et tout. Autonomie, ça donne quoi du coup avec un écran comme ça? Autonomie, utilisation, c'est 3 heures. Non, 3 jours. On coupera au montage, on va dire. Douleur. C'est 3 jours. C'est du. On est en train de le perdre. C'est dur en ce moment. Il est tout rouge. Il est en train de le perdre. Non. Marketing. Donc, c'est du e-ink en fait dedans. C'est de l'écran couleur. C'est always on display. C'est LCD always on display. Ok, c'est du LCD always on display. Donc, AdOSD. Je suis en train de chercher. Always. Ah ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a quand même une bonne autonomie. La montre est pas trop épaisse par rapport à ce qu'on a pu voir dans avec le connectique ici. Craft, comme on a pu voir. Le chargeur. Une montre qui est assez jolie. Voilà. Ouais, un chargeur dessus. Magnétique. Ok, voilà. Pour charger la montre ce soir. Le chargeur avec connectique micro USB. Voilà, c'est ça. Bien, pas mal. C'est pratique. Voilà. Donc une très jolie montre. Alors après, est-ce qu'ils vont nous envoyer une montre pour la review? Je sais pas. Je sais pas. On verra. On a laissé une carte. On vous dira.